Et nous avons une délégation qui est en Afrique actuellement là. Nous avons une délégation qui est en Amérique du Sud, que nous venons en Amérique du Sud. Et moi-même, personnellement, je vais voyager mal Turquie, mal Russie, mal en Afrique. Nous avons deux jeunes qui ont le pouvoir actuellement pour nous faire une révolution. Même bon garantie, on a planifié nous, on a organisé nous, on a les gens manifestés, on a manifesté, on a fait un devoir nous, mais le système ça, il ne peut pas continuer à mettre pied sur Haïti. Le système a crasé. Il faut que les choses changent, il faut que la justice sociale, il faut que nous avons un pays qui puisse juste, qui puisse égalitaire. Il n'est pas normal pour 90% de misère extrême, tandis que 5%, 10% vivent dans un luxe qui est criminel, si je veux dire comme ça. Parce que le monde n'a pas accepté pour vivre en Haïti, non luxe. On va bien mener toute bagarre en forme pendant que tout peuple, tout voisin a coupé nos misères. Le système n'a pas tombé, le système n'a pas crasé et même n'a fait avec intelligence. Parce que après que quelqu'un ait guitare en vie, que chaque semaine, Guy Philippe, là, le Port-au-Prince prend quelques nègres à la bataille. Non, nous ne pouvons pas faire révolte. C'est mon révolte que nous faire. Nous ne pouvons pas prendre pouvoir à la faveur d'un coup d'état militaire ou bien un groupe armé. Nous ne pouvons pas utiliser les armes. Je viens là pour me parler avec le peuple, pour me faire comprendre. Il faut que le changement en fait pour nous faire une révolution. Pour dans 5, 10, 15 ans, nous avons l'autre Haïti. Nous projetons, nous voyons l'autre image de pays noir. Et qui, justement, en parlant de révolte et de révolution, en 2004, par exemple, il y a un Guy Philippe. Et je dis en 2004, il a dit 20 ans après, il y a un autre Guy Philippe. Quelle est la différence qu'il y a entre deux Guy Philippe ça? En 2004, moi, j'étais rentré dans un mouvement qui était là déjà. Ça veut dire mouvement qui était étudiant, feu et Grafné, il était un groupe 184. Il y a plusieurs entités dans le mouvement. Moi-même, moi, j'ai fait partie de mouvement. Il y a un nègre naïf qui a commencé avec la bataille pour l'amour et l'armée au Météi. Donc, ça veut dire que l'homme rentré, il y a plusieurs responsables dans le mouvement. Il y a un nègre Capio, il y a Jean-Robert Lalanne. Donc, où sont tout le monde? Donc, je ne suis pas en charge de tout le mouvement, revendication que tu as fait contre Jean-Bertrand Aristide. Il y a un responsable, un groupe qui a des âmes, un groupe qui a et qui était le Front National et Front comment dire Front Libération Nationale non Front de Libération Nationale je veux dire Jean Blaise hier yesterday je viens nous Tiwil Winter Etienne Winter Métayer et puis paquet d'anciens militaires nous bataille pour nous renverser et en dictature ce que nous fait malheureusement et monde qui vient prendre pouvoir au blanc système là tant qu'il toujours fait il était fait en 86 il était fait tout le temps il gagne tant qu'il prend contrôle. Et puis il dit, mais ça veut dire qu'il y a la torture et puis il y a une bonne place. Il sauve le système. Mais dans l'époque, ça a tout le monde pense qu'il y a une connexion à blanc, que c'est blanc qui est d'ailleurs. C'est parce que les Haïtiens tellement vite cap, il y a des gens qui font des choses extraordinaires, des choses que tout le monde va faire, tout c'est blanc d'elle. Je devine là tout, et pendant que j'ai lancé le mouvement révolutionnaire, c'est blanc. Ah, envoie il y a une mission. Donc c'est comme ça, oui, parce que les Haïtiens viennent perdu et confiance en tête, ils pensent que tout ça pour faire, il faut que c'est blanc qui fait. C'est tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire rien, on ne peut pas prendre une grosse décision pour la nation si ce n'est pas blanc qui est derrière. Donc c'est ça qu'il faut voir que le conseil de nègres sans légitimité, sans monde, ils cherchent une connexion blanc et puis ils assautent en pouvoir. Jean a assauté le jeudi à le palais national. Mais il y a un pile de monde qui est en pouvoir, c'est blanc qui est derrière. Mais c'est le système. Le système, ça, c'est sur ça le basé. Le monde n'a pas besoin de rien que légitime. Il n'y a pas besoin. C'est seulement voler, qu'il y ait des privilèges, continuer à craser et piller le pays. C'est ça pour que blanc pas même gêné pour le bossa. Ambassade américaine, tout en parle de droits de l'homme, tout en parle de démocratie, tout en parle de respecter la loi. Où est ça le bon là? Il n'a pas respecté rien dans la loi Haïti. Il bon un bagage sept. Montrez mon côté dans la loi Haïti, dans la constitution pays, qui dit que nous avons bien ça ou là, qui a dirigé le pays. Là où il vient dans une situation de déconfiture totale. De système. Non? Normalement, c'est le peuple seulement c'est qui peut légitimiser un monde pour venir prendre pouvoir. Le peuple a fait choix. Que c'est dans la diaspora, que c'est dans Haïti, il dit mais qui ligne ouvre, mais qui Haïti ouvre. Mais l'ambassade américaine avec toute arrogance, il prend quelques nègres dans le CARICOM, il a voté et il a mis 9 nègres, tout qui était passé dans le pouvoir déjà, tout depuis 30 ans, c'est qu'il a crasé le pays. Et puis il prend des nègres qui ont crasé dans le pays, qui par exemple qui géré rien, et puis il dit monsieur, venez gérer le pays. 9 nègres. 9 présidents, 9 conseillers, combien? Chacun 11 conseillers, 99 conseillers, 99 machines de luxe, l'argent a gagoté, corruption totale, même dans le pays. Et tout le monde connaît, et même Blanc connaît, nous allons aller directement venir frapper nos mains.
Ça n'a pas qu'à aucun côté. Puis, après 7 février, en fait, là où tu es, en prison, je suis en Haïti, le ça, tu as une euphorie, tu as une pile de monde dehors, tu as une pile de monde, et qui croit vraiment dans ta tête que tu es capable de pouvoir le ça. Et premier gros, peut-être, baron, retrait que tu as fait, c'est 7 février. Peut-être dans ta tête, tu as pensé même que Philippe était en 2004 là, c'est lui-même qui t'a pas le vin, qui t'a pas le prendre les armes, qui t'a pas le marcher sous Port-au-Prince, et tu as marché sous Port-au-Prince sans pas fait. Je vous dis là, il y a deux approches différentes entre l'approche que nous avons en 2004 et l'approche que nous avons en 2024. En 2004, nous sommes venus, et nous étions déjà pour nous prendre pouvoir, pour nous faire une révolution. Nous sommes venus pour nous renverser son dictature et permettre le pays à rejoindre le pli. En 2024, nous venons là, nous disons, nous faisons une révolution. Et la révolution a commencé justement, le nous prenons pouvoir. On va faire une révolution tout en beaucoup sous pouvoir. Nous travaillons pour nous arriver vers la révolution. Un bon exemple, Thomas Sankara. Comment c'est le mouvement révolution Burkina Faso en 83? Vous pensez combien de temps? Presque 40 ans après, un jeune garçon qui part même là, le monsieur voulait mouvement, ça a fait réforme sérieuse en profondeur au Burkina Faso. On va parler de jeune capitaine et Traoré. C'est comme ça. Donc, révolution, même mouvement 2004, là, elle commence en 1999. Mais c'est en 2004 que tout le monde dit Noël, le fin arrivé net. Nous avons songé qu'après l'élection de Milio, 11 commissaires sont obligés de courir en exil. Parce que c'était un mouvement pour changer les bagailles, parce que nous pas accepter Jean et le président Aristide de gérer et diriger le pays. Donc, mouvement révolution printemps. Mais est-ce que vous pensez comme Sindazo et guerre dialectique là, Paléa, il suffit pour prendre pouvoir ou bien pour qu'il y ait un changement vraiment? Oui. Nous avons deux gens qui prennent pouvoir actuellement pour nous faire une révolution. C'est ou bien le peuple là-bas, il est pour Sri Lanka, le peuple là-bas, la rue campé. Face à tortionné ou tout nèg cap tiré sur lui, mais il pas peur, il pas fait lâche, il campé et il envahit par les nationales, il envahit et primature, et il dit mais qui type de gouvernement le il envahit la rue tout côté dans le pays, il dit mais qui ça revle, il fatigué avec ingérence américaine, parce que pas bah tête de menti. Tout plus gros frein pour le développement d'Haïti, c'est l'ambassade américaine. L'ambassade américaine, c'est le plus gros frein pour le développement, et pas anti-américain. Pas anti-américain, pas contre américain, pas contre canadien, pas contre France, pas contre Chine, pas contre la Russie. Seul ça moi-même, m'a essayé ouais, qui j'ai pour peuple sortir dans la misère que y a là. Et je dis à la bien analyser tout le bagaille. Puis gros frein Haïti gagne en face, c'est l'ingérence que l'ambassade américaine a fait dans les affaires internes du pays d'Haïti. Vous avez parlé de. En fait, vous avez un momentum non plus. Vous avez parlé de un certain amnistie pour gagner. Comme moyen pour le TK, pour le TK, jouer la paix, pour nous pacifier le pays, etc. Sans nous pas obligés d'avoir une force étrangère qui vient dans le pays, nous te jouons une autre solution. Essayez de nous parler avec eux préalablement ou bien pour penser qu'il était rentré dans la logique pareil. Pour finir pour nous première question déposée dans la question 7 février, et attendre peuple là, oui, peuple là, oui. Mais sous songer, depuis le premier jour, je parle de révolution, je dis que c'est une révolution pacifique. Nous n'avons pas gagné aucune autre révolution en Haïti. N'importe l'autre jeune fait le système n'a pas pris la main. Nous prenons des armes, nous prenons des national système, nous mettons pieds sous coup, nous prenons. Nous n'avons pas plus d'armes que les Américains, nous n'avons pas plus de force que les Américains, nous n'avons pas plus de criminels que les États-Unis avec tout groupe qui a crasé Haïti depuis combien de temps. Donc si vous prenez des armes pour aller au pouvoir, il y a prendre dans mon examen, il y a déstabilisé. Seul gens qui ont le pouvoir, c'est le peuple qui a boli. C'est ou bien le peuple a boli, j'aime là, ou bien le boli tant que le Sénégal. J'aurais monsieur Sénégal commencer la révolution là, je dis là, essayer de libérer et Sénégal de emprise. Et la France. Donc c'est comme ça seulement qu'on peut faire révolution ça en Haïti. Avec ZAM, il n'y a pas de aucun côté. Aller pour un ZAM, pour un groupe armé, rentrer dans le parti national, nous avons fait un bagage qui vient bon pour 10-15 nègres qui sont dans tête mouvement, qui font l'argent et puis qui sont à l'école, qui sont en exil. Mais si c'est pour nous changer la société, si pour nous changer la structure de l'État, si pour nous venir Haïti plus juste, plus égalité, là, c'est deux gens seulement qui peuvent faire. C'est à la Sri Lanka ou suivre l'exemple et Sénégal. Là. Pour question amnistie, je ne dis que je vais amnistie pour gang. Je dis que je vais amnistie. Et je pense que amnistie pour nous arriver dans la réconciliation nationale. Si pour nous arriver sur la route que nous voulons, il faut qu'il y ait amnistie. Je dis amnistie, ce n'est pas pour gang. Et je m'explique bien, ce n'est pas pour gang seulement. Je dis que je vais amnistie pour tout le monde qui connaît ou fait pays à tort. Pour nous venir faire sacrer les boron et Quenta Nueva. Nous effacer le tableau et puis nous allons recommencer sur l'autre bagaille. Moyennant que nous mettons les yeux pour même des autres. Qui t'est fait, qui l'a gagné dans tout ça, pas retourner fait encore. Qui est-ce que tu as gagné?
C'est l'injustice sociale qui baille gang. Qui ça qui baille gang? C'est la misère qui baille. Tout le monde met parler. Oui, non, Haïti est toujours pauvre. Non. Misère extrême, ça, les menins à côté de là. Nous désunis, nous ne sommes pas encore. Les gens qui dirigent en Haïti, c'est voler seulement, c'est prendre l'argent, riche, acheter un appartement dans l'autre bord. Regardez comment les gens crasent tout le pays. Premièrement, ils volent comme dans la question coopérative. Deuxièmement, où Gauthier avait aidé nous avec un bail qui est le Petro-Caribé. Les gens volent comme là. Dilapider tout comme là. Troisièmement, après le tremblement de terre, ils ont donné 2 milliards encore. Ils ont volé la fondation et gros monsieur, gros autobus dans notre pays, avec Haïtiens. Ils ont volé tout comme. Et qui ça a fait avec plus de 15, 16 milliards de dollars? Et ils ont pris tout le bagage. Qui ça a fait avec? Quelques tentes, quelques bouteilles de l'eau, quelques sacs de riz, et puis crier dans la télévision, passer mon tête. Gang là seulement. C'est donc, amnistie. D'abord, même, ce n'est pas misère seulement qui crée gang là. Parce que... Attendez. Misère crée conditions. Pour jeunes dans une zone défavorisée, accepter le politicien venu devant les balsam, okay, okay. L'ambassade de l'avenir, le balsam, l'autre groupe qui gagne l'autre bagarre intérieur, député, sénateur, président, premier ministre. Parce que gang en Haïti, c'est depuis 1994, 1995, il y a armé jeunes garçons. Et nous avons pipi avant, depuis soit avril, nous commençons à faire des dérives avec Zenglendo. Et puis avec le président Aristide qui vient faire et question de l'armée rouge dans la Cité Soleil, tout nous tous songer, ça qui passé Marie-Christine Jeune. Policiers que qui parlent les bails bandits, mais ils ont assassiné. Nous tous connaissons la métier manchette, nous entendons tout le bagaille. Tout président depuis 1995, depuis les derniers 30 ans, ils ont tous participé dans l'armée moun. Tout participé dans l'armée moun. Tout le monde qui est sous pouvoir, ils ont toujours participé dans l'armée moun. Donc, ils ont fait corruption, ils ont mis dans pauvreté extrême, dans misère extrême. Donc, ils ont venu à examen. Mais sûr, quand vous avez un Zel Sapat Matisse, ou bien Zel Sapat et quoi des bouquets, ou bien côté, vous avez une zame qui coûte 5-6 000 dollars américains, puis vous avez des centaines de zames. Quand vous avez une munition, quand vous avez un contact, ça. Là, vous faites un kidnapping, Pétionville, ou de l'autre côté. C'est un nègre qui kidnappe les gens, et puis vous pouvez faire un nègre. Donc, je ne parle pas de l'amnistie, je parle de l'amnistie pour nous voir ce qui est nous avons sauvé Haïti sans que nous ne parlions de guerre civile. Parce que l'amnistie n'a pas parlé à la. Il y a plusieurs étapes. Il y a ça que la commission vérité. Pour jouer une amnistie, il faut ou passer devant la commission vérité. Il faut ou expliquer quand on joue une zamza. Il faut expliquer l'argent plutôt qu'à Ibo voler, à côté de Il faut expliquer Kaisa ou qu'on gagne, comment on fait gagner le coût de l'argent. Où mettre les Haïtiens l'argent, suspendre faire kidnapping, suspendre tuer les gens, où mettre des armes illégales qui sont dans mon Le ça, l'État lui-même a considéré. Pardonne, c'est ça que les amnisties. Mais il faut passer devant la commission vérité, il faut passer devant la commission justice, parce que l'offre de vérité pour dire que vous avez ou reconnaître qu'on est coupable, mais tout le temps fait vie, il a dit mais ça la justice dit, mais ça la loi dit, mais la loi a bonne chance sous collaborer, sous aider nous comprendre le problème, la complexité du problème, sous aider nous comprendre qui est-ce qui est bon ça, comment l'autre tuer mon nom, l'autre kidnapper mon nom, qui m'a voté l'argent. Vous avez commencé bien le dialogue avec ça, non? Non, moi-même, je ne vais pas aller publiquement, je dis que je suis ouvert pour n'importe quel monde. Quand je ne vais pas là-bas, si je vais ouvrir les je dis à la mettre les Si ils ouvrent les je dis à la mettre Si Aristide veut les relèves, si Maté veut les relèves. Je dis si ils ouvrent tout relèves, parce que ont tout contribué à mettre Haïti côté de là. Pas qu'aucun nègre qui est responsable, qui est président, qui est premier ministre, qui est ministre, qui est directeur général, qui n'est pas complice. Dans ce qui a passé aujourd'hui, là, dans l'insécurité qui est dans la rue. Donc, je ne vais pas prendre pause. Oui, Guy Philippe dit la amnistie pour gang. Non, je ne vais pas dire. Je dis la amnistie pour tout le monde. Parce que c'est ça son route pour nous faire, pour nous sauver Haïti. Même Jean l'autre pays, tu as courage. Mandela, tu as courage. Pour le bail amnistie, bail nègre, tu as traité nègre noir en Afrique du Sud. Tu as un chien qui t'a tué, qui t'a écrasé, qui t'a bombardé l'école. Timoun, Mandela pour sauver l'Afrique du Sud. Il était bail amnistie. Pas vrai? Parce que c'est ça le moment de demander. Henri IV, ou Henri IV en France, le catholique et le protestant, tous les des milliers de monde, il va faire amnistie avec l'édit de Nantes. En attendant, amnistie, dernièrement, la nègre Salvador, président Salvador, il va faire amnistie. Il va faire amnistie. Amnistie, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui fait Haïti tort. D'abord, même, qu'est-ce qui fait Haïti plus tort? Iso ou bien l'équité président, l'équité premier ministre? Gang, nous dans la rue aujourd'hui avec examen, jeune garçon, jeune femme, ou bien monsieur qui a une responsabilité pour te créer des conditions pour Haïtiens vivre bien dans le pays. Nous ne pouvons pas pardonner les gens, ils ont fait des crimes qui sont impardonnables. Prendre une famille, tuer ou bouler nos machines sans raison, ça c'est des crimes impardonnables. Assassiner deux personnes qui viennent aider, essayer d'aider nos orphelinats, ça c'est impardonnable. Mais c'est pour nous poser une question, comment nous faire arriver là? C'est mauvaise gouvernance, c'est corruption qui mène nous là. Tout autant nous pas assurer que nous finissons avec la question de mauvaise gouvernance. Tout autant nous pas assurer que nous mettons frein à la corruption et nous mettons frein à l'ingérence. L'ambassade américaine dans les affaires politiques en Haïti.
n'a toujours tombé côté nous rivière Dombia là. Je dis on a un pays côté toute structure de sécurité sous compte étrangère. L'ambassade américaine c'est lui qui contrôle la police, c'est lui qui contrôle l'armée, c'est lui qui met ministre, c'est lui qui met premier ministre, nous sommes salvé là, il met tout salvé. Et il viole toute loi, aucun monde pas dire rien. Si nous pas mettons frein dans une mauvaise pratique ça. Ou mettez des Kenya à venir là, tout le monde a venu après 2 3 heures là caillou, situation pas changer. D'ailleurs aujourd'hui il pas venir battre avec gang, pas venir battre groupe armé. Si pas venir battre groupe armé, pas venir battre gang. Et pas gagne qui va remettre aux armes. Donc là au final dans 2 3 ans, Haïti a tombé dans trou pirade. Chaque jour, on a un trou, c'est pour nous assurer comme peuple, comme nation. Nous mettons des conditions, madame de Grand. Nous disons, ok, mon autre chance, nous baillons toute société. Nous disons, même, on te vole comme Petro-Caribéa, on te fait une équipe faux, bagaille, ou prend l'argent, nous prions pour nous battre. Moyennant qu'on remette comme ça. On te vole comme tremblement de terre, nous prions pour nous battre. Moyennant qu'on remette comme ça, on dit qu'on a un assassiné, on a un kidnappé, on a un gang, nous prions pour nous battre. Dis qui est-ce qui a besoin de ça. Dis qu'on a besoin de ça. Dis l'argent qu'on fait à côté de mettre. Dans qui banque, qui structure et négocie mettre sous place pour une bonne munition. Pour nous comprendre le problème, pour nous entrer dans la profondeur du problème et pour nous résoudre le problème. Donc c'est ça qui est amnistie. Ce n'est pas impunité amnistie. C'est bail pays en chance pour le vivre. Et amnistie n'est pas pour gang, c'est pour tout le monde. Et encore une fois, je dis, politicien fait pays a plus mal. Ancien président, ancien premier ministre, ministre général fait pays a plus mal que gang. Donc c'est pour ta compte amnistie. Et pour la plus bon. Élection fine faite. Ou élu, même avant prêté serment, donc gagné arrestation qui fait, tu as arrêté, tu es aux États-Unis. Qui expérience tout le temps ça a fait dans la prison aux États-Unis? Qui l'autre Guy Philippe que nous avons aujourd'hui? Bon, je pense que l'arrestation, je ne sais pas. Il faut que tu aies fait parce que tu as peur. Tu as peur de discours, non? Puisque c'est ce que je fais aujourd'hui, là, c'est ce que tu as fait de toute façon. Je juste retardé. Parce que depuis les samedis clair et au même temps non pas dans les discours en Haïti mais au même temps ils ont analysé moins clair depuis les ça faut qu'il y ait justice sociale faut que le pays a changé faut que structure l'État a changé donc blanc avec complicité en Haïti traite de l'intérieur yo il va pas comploter pour faire ça au faire yo te dit au comploter Guy Philippe gagne mandat même tout là bon me gagne mandat pas même dans DCPJ coûte mandat yo te dit Guy Philippe c'est drogue dealer coûte drogue là pour ça c'est pour l'argent comme vous dites c'est l'argent trop l'argent me gagne coûte l'argent yo pas ca bailler 1 dollar. Il n'y a pas montrer un bout de drogue, il n'y a pas montrer un, il n'y a pas kidnapper un sénateur, premièrement. Mais où te plaide coupable? Est-ce que c'est une stratégie pour dire ça? Ou pas capable de coupable, parce que c'est, ça arrive, ce n'est pas tant qu'à preuve. Exactement. J'ai présenté le avocat là. Il dit que c'est tant qu'on fait une conspiracy. Il avait dit qu'on conspire avec l'autre monde pour te faire mal. Pour te faire des gens qui sont dans la drogue qui dit qu'il y a pas Guy Philippe Cobb. Ou pas contre, ça retire charge drogue. Et puis on dit ok, non, c'est là qu'on gagne. Tout le monde finit, il finit là. Il dit que Philippe doit dire, go doit dire. Quand on arrive aux États-Unis, il dit que nous allons dans le jugement. Il faut que nous montrions qui pourrait jouer contre nous. Oui, parce que. Il dit oui, il a été commandé au Cap le 13 janvier, avec le 7 janvier 2000, avec le 13 janvier 2000. Et date ça, plus ou moins. Et comme ça, en semaine, il y a tel bateau qui est aux États-Unis. Il dit que c'est dans le bureau, même il y a aller devant, il y a un cop pour mener les drogues aux États-Unis. Mais ça, on ne pas connaître. Moi-même, j'ai un passeport. Je fais tout le mois janvier 2000 aux États-Unis parce que petit mois fait et dans l'accouchement. Mais c'est un bon, public defender de gain. Non, on gagne avocat pam, on gagne avocat pam. Donc quand il y a là, l'emballe avocat, dit avocat OK mais passeport me garder pour en 2000, c'est pas là me comment me fait là et puis dans le bureau, mon personne pas comme. Dès lors et c'est seul ça n'est que gain. Il y a une moi prend chaud et puis on dit non, c'est pas drogue, c'est l'argent. Ou tu prends l'argent dans mes droits dire l'autre commandant. Qui a beaucoup de l'argent jusqu'à présent au Soje Bank Soje Bank te baye comment encore rapport dit me paquet de dollars al Soje Bank nous même c'est journaliste al Soje Bank al garder pour si gon seul côté me gain 3 millions de dollars américains on seul jour bon OK si je gagne 300 000 dollars américains bon OK on met condamné qu'on y a avocat là dit comme ça que faut prendre plia ou pas ka gagner en conspiration charge ça c'est nèg démocrate qui vient avec en 1994 qui mettait pour écraser nèg noir aux États-Unis. Alors, depuis que vous mettez conspiration, n'importe qui prend en prison, vous dites ok, viens dire oui. Dis où tu es contre monsieur. Il n'y a pas besoin aucun preuve, non? Deux mondes. Et l'autre, vous mettez conspiration, vous prenez n'importe 10 nègres en Haïti dans la prison, pour vous dire ok, oui, nous avons dit. Généralement, le public attorney, ça nous est. Les... Public defender? Non, public defender, c'est avocat, l'État mettait à la justice. Ah, on parle. On parle de attorney général, là, c'est comme okay, si on okay. A dit commissaire. Prosecuteur. Oui, prosecuteur. Yeah. Le offre plus bargain, là, c'est comme si on a dit qu'il y a un pile preuve. Il connaît que pas qu'à venir défendre vraiment ou bien. Donc,
Généralement, c'est ça. Non, elle comprend. Vous connaissez la loi, elle est basée sur la loi germano-urbanique, c'est sur la jurisprudence américaine. Donc, il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin de rien. Depuis, il y a deux personnes qui disent oui, mais ça a été fait. Il n'y a pas même besoin de prendre mon nom. Quand il y a l'ordre en prison, qui traitement est-ce qu'il y a des gens qui viennent parler avant, qui viennent dire des bagailles comme si je disais de l'autre bagaille? Parce que, pour juste qu'on y a en Haïti, mon toujours bon doute, dit Captain, est-ce qu'elle est dans Guy Philippe, est-ce qu'elle bon mission, est-ce que d'accord pour le fond bagaille le tourner, qui comment traitement est? Eh bien si mais on a une mission pour me faire révolution météo dehors dans pays. Bon mais tout qu'on a quelque soit ça dit au monde là comme si on a toujours on va en tête lui. Mais comment traitement était généralement là dans prison? Bon, sont prisonnier mieux traité dans prisonnier mais ça passe que prisonnier pas le même traitement. Ça dépend en moyen. Et pour gagner moyen dans quelque soit pays. Ou qu'on fait prison en plus bien qu'on l'autre ou qu'on achète téléphone ou qu'on gagne tout ça gagne ou qu'on mange plus bien d'ailleurs dans prison par exemple c'est pas dans prison Haïti il y a des marquettes yo ou qu'on lâche belle tennis ou achète tout ça pour manger ou gagne microwave ou gagne ou gagne toute bagaille toute prison on va même traitement et ça dépend de pour qui sont dans prison prison États-Unis c'est comme ça en tout cas dans tout ça moi côté me dire là moi bien moyen de prouver pour vivre bien on vivre bien dans prison et c'est comme ça on fait lui même il respecte mon la caillou d'ailleurs policier même capable à vol dans prison. Au moment où ils font comme ça. Donc, pendant qu'ils ont fait tous les autres en Haïti, quand on arrive là, ils ne peuvent pas faire même des autres là-bas. Mais ils peuvent condamner mal. Ils peuvent graser parce qu'ils contrôlent le système. Ça. Juge Ali, mais ils peuvent faire un petit bagage, ils ont 50 ans. Parce que c'est les grands mondes, ils ont enlevé. Là, c'est dans ça, ils prennent les nègres noirs, minorité des États-Unis, ils ont crasé, ils ont pris gel. Mais je dis à moi, je défie les États-Unis. Je défie, je dis publiquement. Et je dis, prouvons les choses dans ça, je dis contre moi. Pourquoi ça ne va pas faire? Non, on aurait été dans le traitement. Est-ce que pas qu'il y a aucun traitement et tout prisonnier traité dans la prison qui viennent pas la voix tout prisonnier traité même genre États-Unis il respecte d'ailleurs pas même capable même du police pas même capable la voix police elle pas même capable la voix il pas même toujours comme ça non mais Guy mais donc pour ça on charge de mettre sous c'est bagarre politique ou bien des bagailles sous dit son conspiration ou bien c'est oui il dit conspiration bagarre mais après ça en cachette ou bien ça il y a des monde qui viennent pas la voix qui dit comme ça etc. And then non, tout le monde a été là pour poser. Il y a une télévision, on dans Hollywood. Non, mais. Pas de bagaille comme ça, Roger. Comme si on finit plus, j'ai pas nous et pour tout, ça pas gagné. Qui ça a été fait? Comment t'as fait? Légalement, comment? Attendez. Et par États-Unis, et par Haïti, États-Unis, si on a fait mon seul jour, on a fait sur et pour t'en mon jour, vous devez. Non, mais. Le fait que son complot qui fait tout. Ok? Parce que. Il fait un complot, mais il faut que vous ayez une base. Il faut que vous ayez une base. Ok, c'est comme il a gagné bagaille. Il faut que vous ayez une base. Quand il y a on finit. Qui ça au cap dire quoi? Non mais le fait que son complot est fait sur Gombaya que était peu avant. Mais qu'on y a l'offin là, qu'on y a là. Parce que yo habitué à haïtien depuis blanc parler, blanc arrêté haïtien fini. Combien de monde qui était cap penser que me cap venir là me venir parler en Haïti. Ah l'appel peuple blanc bagaille blanc casé la tourner coco belle pas même cap parler. Et ça tout le monde va dire. Il y a ballon piqué. Tel que regarde Hollywood oui. Tel que regarde film. Non mais vous pensez que ce gain de bagaille qui compte fait réellement. Ouais, mais on même debout prend toutes mesures. On met fond on et bagaille pour pas aller dans l'hôpital. Les relo pour venir prendre piqûre, pas prendre piqûre, ou pas prendre graine, ou pas manger non mais n'importe qui genre. Qui ça va voir? Il y a grand pile monde qui pense que l'autre tourne en Haïti, tu vas le poser. On va poser là. Non, ça me dit l'homme dit poser, ça veut dire pas dans politique encore ou après régler affaire ou ben ça ou pas dans place patte là, pas un monde qui t'a connait vie ou. Donc pour me poser pendant que peuple moi mourir en misère. Pour me poser parce que tout le monde va à l'école, c'est-à-dire tout le monde va à manger. Pour me poser les grands monde viennent faire toute vie ou à travailler. Quand arrive 65 ans, pas grand aucune politique l'État pour aider grand monde ça. Et vous faites toute vie ou à travailler pour l'État. Il y a fait agriculture, il y a pas grand aucune assurance sociale. Il y a fin les on tire la fièvre tout hier. Pour me poser mon femme, si l'enceinte ligue club, s'il mourit là, c'est celle qui deuxième commune en grandeur, en superficie en population. Ou pas même bien, ou pas même faire un éclampsie. Il va même quand tu es dans l'éclampsie, si femme dans l'éclampsie, c'est vrai local ou bien pour le jeune. Alors devant toute bagaille ça, devant toute injustice ça, vous n'êtes pas rentré la caillou chita, comment t'as senti? Yo connais et pas style moi. Guy Gomo m'a crié et selon ça la presse t'a montré et selon ça bah il t'a montré où t'es en conversation avec Guy avec Moïse Jean-Charles, ancien sénateur Moïse Jean-Charles et nous t'es même peut-être commencer à dialoguer son éventuelle peut-être alliance entre guillemets j'aime dire et dès le départ où tu es contre le conseil présidentiel là sénateur Moïse Jean-Charles Doux dans l'époque et finalement monsieur font virer aller vers le conseil là
Donc est-ce que vous pensez que c'est une sorte de trahison ou bien? Bon, moi, c'est si le sénateur a fait une trahison, il tête l'île trahi. La révolution pique dans tout le monde. Même moi, même qui viens avec moi, si je fais un macaque, la révolution a mangé, je l'ai passé sur moi, je l'ai continué. Parce que grand pile monde dans la population est d'accord. Grand pile monde dans la population comprend. J'ai la population ouverte. Il ouais, faut qu'il y ait un changement réel qui fait. Donc c'est le sénateur lui-même qui a dit pour ça le fait et coupe ça. Seul ça m'a dit que la révolution a privé côté pour le rivière là. Et tout le monde qui fait coupe, qui vend dans la conscience, pour l'argent ou bien pour le privilège, qui pense qu'il est intelligent, m'a dit au peuple pas qu'on perd du bataille. Peuple haïtien a gagné bataille ça. Et révolution, c'est bataille peuple haïtien. Et bon, je dis à gagner une structure qui mettait en place. L'international Ankadi mettait une structure ça là en place. Et gagner un premier ministre, gagner un président conseil. Et bataille ou aller même entre temps à continuer. Premièrement, vous faites blâmer parce que vous êtes arrogant et surtout parce que vous êtes haïtien bien. D'ailleurs, c'est ça que vous mettez dans la logique pour nous venir accepter ça. L'insécurité que nous vivons en Haïti, c'est une insécurité organisée, supportée, encouragée par toute élite haïtienne, corrompue, et par un paquet d'ambassades en Haïti. Tout le monde connaît. Pas de monde là, dans l'ambassade, dans le bayo, dans le gros secondaire, qui va en contact avec M. et Kati Populaire. Les bruits relais, les bruits voyés, si on est dans l'eau, et il faut que ça l'eau, n'importe quoi, il y a un qui j'en peux puis aller bruits donner. Donc, tout ce qu'on a fait, ZAM, ça va, munitions, ça va, monsieur, ça va faire, il y a un fait. Tout ce qu'on a fait là, c'est n'a victime pour même raison, République démocratique Congo a victime. Ressources, nous. Ça n'est dans le sous-sol, tout ce qu'on a fait là. Il y a des zones qui ont des gens qui ont besoin de fouiller pour venir voler. Et seul j'en peux faire, pour qu'on fait le bien, c'est mettre les gens dehors. Après, c'est ça qu'on fait. Vous pensez que tout petit caïboy est pote, vous avez crasé, doucé la gang, vous pensez qu'il était nécessaire? Vous avez besoin de zone, vous prenez, puis vous fouillez, puis vous voler. Vous avez besoin de matissant, vous avez besoin de tout côté de richesse. Nous avons iridium, nous avons uranium, nous avons pétrole, nous avons l'eau. Et nous avons l'autre bagaille. Vous voulez continuer, piller, voler, déchepiller, et vous organisez, vous faites mon bac à vivre dans le pays, puis vous mettez vos deux dans la zone, vous même vous venez exploiter, vous venez voler. Vous avez dit, ok, qui politique ça est pour ta dire que oui, vous dites bandit à bouler tout caï? La ville. Yeah. Qui raison? C'est Mounio qui veut mettre dehors. Et c'est Blanc qui a la tête. Bagaille ça. Donc nous avons souhaité que la société haïtienne dans OVG comprenne la complexité de bataille que nous avons menée là. Parce que ce n'est pas facile. Mais le peuple n'est pas perdu. Il y a un cap puissant. Nous connaissons une pile puissance, mais il n'y a pas tout puissant. C'est seul peuple qui est tout puissant. Donc encore une fois, je dis à la, quittez au mettre conseil, quittez au faire des ordres, quittez au faire macaque. Peuple a bail pouvoir, à mon que bail pouvoir, ou bien gens au bail Sri Lanka, ou bien gens au sud bail Sénégal là. Ou bien c'est peuple qui peut aller, qui a bail pouvoir, Joël bail Sri Lanka, retirer le même monde niveau là, ou bien la bail Joël bail mon niveau dans Sénégal. Si on met des conseils là, sans doute conseil de transition, sans doute pour aller gagner l'élection, ou on se prend l'élection si on fait l'élection. Moi nous équipe politique, nous avons plateforme et c'est ça nous a discuté et là nous prend décision. On a fait tout le monde connaît. Même Gabdou, une équipe qui travaille. Nous avons une délégation qui est en Afrique actuellement là. Nous avons une délégation qui est en Amérique du Sud, que nous voyons en Amérique du Sud. Et moi-même personnellement, je voyage mal en Turquie, mal en Russie, mal en Afrique. Guy, tout à l'heure, où tu parlais de. Ou parler dans tout ce palais, on parlait de corruption, de mauvaise gouvernance. Ça a aussi des bagages qui empêchaient Haïti marcher. Et de fait, c'est eux qui empêchaient Haïti marcher. Où tu es élu sous bouclier? Okay? Non. Sous consortium. Et bon, en fait, on va demander qui relation vous avez, par exemple, avec les partis politiques, vous bouclier, PHTK et même consortium, je dis. Et il y a plusieurs rapports que le Cour supérieur des comptes sorti qui montrent que Gabji que vous faites, mauvaise gouvernance vous faites et toute corruption fait. Qui distance ou bien qui relation que vous avez avec les gens de partis politiques, ça ou bien plateforme ça? Moi, je vous dis, c'est peuple qui se la lire. Okay. Ben, l'autre allié qui peut pas ici. On m'a dit que j'aurais mes peuples là, ou voulez chiter avec ma chiter avant. Mais le jour où je montre que j'aurais mes peuples, j'aurais mes pays là, je ne vais pas voir. Je suis seulement loyal à l'idée, je suis loyal à mon. Si mon pense que la vie est un coup, la vie est un coup, nous lit trop, nous comprenons la politique trop pour nous apprendre un coup. Mais qui est rentré dans la révolution, pense que les absents ont crasé le mouvement, et ils ont perdu, ils n'ont pas crasé le mouvement. Parce que nous lit. Nous avons sacrifié Thomas Sankara, nous avons fait confiance. Nous avons sacrifié l'autre nègre, l'autre leader, nous avons fait une équipe de confiance. Donc ça permet de nous comprendre la réalité, nous avons fait des salines, nous avons fait tout le nègre.
Ça permet de comprendre plus. Et les ovins, ils pensent qu'il y a une torpille, un mouvement peuple. C'est temps qu'il y a perdu. Donc si il y a une élection, si l'équipe politique veut gagner l'élection, je connais ça pour nous faire. Moi, j'ai une bonne relation avec M. Consortium. Je suis très proche de Jean-Tel Joseph. Nous parlons chaque jour. Il y a un réveil. Et que nous sommes très proches, nous parler, nous discutons ensemble, nous sommes très proches avec l'ancien ministre Nader, l'ancien ministre Vincent, qui était sous-président Jovenel et Moïse. Donc nous parlons ensemble avec eux. Donc c'est avec nous qui parlons, nous parlons avec les structures politiques qui ont fait partie, ou bien parce que nous-mêmes, nous connaissons seul bagaille, c'est bataille peuple. Et bataille peuple, je dis, c'est une révolution. Qu'est-ce que vous pensez de classe politique avec ça? Je crois que vous parlez de tête, vous bien, oui, là, non. Vous pouvez savoir que vous avez tout corrompu, tout volé, vous mettez tout dans le conseil. Vous ne pouvez pas dire non. Ou après que vous mettez dans l'équipe noire, réveil, démocratique. Vous n'avez pas de désir. Oui, même moment, vous dites non. Et dans demain, vous êtes obligé de retirer. Vous nous dit non, nous ne pouvons pas démagoguer ça, nous ne pouvons pas vagabonder ça. Non, nous sommes là, tout. Nous sommes là comme entité pour choisir le monde. Vous n'avez pas quel monde qui peut contacter dans CARICOM, etc. Vous parlez avec plusieurs représentants, vous parlez avec Réveil, et structure Réveil là, vous parlez avec porte-parole, vous parlez avec mon en pile, et que mes positions ne peuvent pas changer. Positions ne peuvent pas changer, ni CARICOM, ni États-Unis, vous n'avez aucune autorité légale pour venir imposer ça sur les Haïtiens. Surtout en formule que vous n'avez pas marché. C'est chaos, vous avez besoin de faire plus, c'est continuer à piller, continuer à faire des ordres, puis vous pouvez continuer à voler tout ce qui est dans ce sol. Comment vous allez entrer dans ça? N'importe qui, où est-ce qu'il y a un conseil ça? Connaissons demi-monde, son monde crochilier. Pas un monde sérieux qui a conseillé ça. Pas un monde sérieux qui a rentré dans le conseil présidentiel ça pour dire oui, c'est un vent vieux d'Haïti, c'est pas vrai, c'est voloré. Le Ariel Henry, qui était deux pays, un peu le monde pensait que c'était un bon moment, comme si pour le monde prendre des armes, etc., etc., pour pouvoir. Et ça a blanc à colis de Dévelé. Même dans la presse, on ne va pas rentrer. Faut que Philippe mette pied à terre, faut que Philippe vienne. Complot à faire comme ça, il y a besoin pour nous faire un mouvement armé. Là, on connaît que les États-Unis contrôlent les polices nationales, ils contrôlent l'armée d'Haïti, ils contrôlent M. Hamel, ils gagnent toutes les armes. Ils pensent que nous sommes capables de les États-Unis avec les armes. Pour nous caser le système, nous ne sommes pas capables de caser les armes. Il y a pile de monde dans la population qui pense que tu vas faire un mouvement. Si le peuple a fait confiance, si la jeunesse a fait confiance, si la diaspora a fait confiance, moi j'ai une responsabilité pour me penser, pour me travailler avec la tête, pour me mener au côté où dit, ils veulent pour me mener. Quel que soit Jean, si nous prenons le pouvoir, exemple, nous sommes rentrés dans le palais national. Ils étaient presque ouverts pour nous, pour nous aller. Et puis, nous avons tout crasé le mouvement dans eux. Vous pensez que nous avons un monopole de violence devant les gens? Vous pensez que nous avons rentré pour nous faire des choses comme ça devant les gens? Non. Ils ont peur du mouvement révolution, ils ont peur de l'idée qui est véhiculée, ils ont peur de la bataille qui est menée là parce qu'ils ont senti le système en danger. Nous ne pouvons pas prendre la provocation, nous ne pouvons pas faire aucun mouvement exemple. Moi, je dis, son révolution pacifique et objectif, c'est prendre le pouvoir pour nous transformer la structure de l'État haïtien. Pour nous faire l'État plus juste, qui plus égalitaire, côté monde qui vit avec dignité. Et côté blanc, surtout ambassadeur en Haïti, il y a connu que Haïti est réellement son pays souverain et libre. Mais Guy, depuis un bon temps là, et quel t'es international là, quel t'es classe politique là, manipule les populations, ou t'es États-Unis dans la prison? Autant de mouvements que tu fais contre Petro-Caribe, pile monde te prend la rue, comme pile manipulation en fait. Parce qu'on dit tête ou peuple ça après prend la rue vrai pour faire une révolution, pour mettre un retirer, pour battre contre le système et puis mettre un autre monde. Oui, c'est ça. Parce que ça, moi, j'aime mal Gonaïve, ou bien j'aime mal Tigouave, ou bien j'aime mal Wanamet, ou bien j'aime pas au prince, ou bien n'importe côté mien, ou bien j'aime Jérémy, dans Grandas, ou bien Okaï, moi que peuple après. J'en peux la recevoir, j'en peux la accueillir, j'en le suivre moi par rapport à l'idée que nous avons véhiculée, Haïti que nous disons à Bayoua, le peuple a pris pour une révolution. Si ce n'est pas structure, répression, mettez dans le président, puis l'ambassade américaine avec l'élite noire, mettez, fait police à venir tout le monde, milice politique, fait l'armée d'Haïti, venir tout le monde, l'armée coupion, bon, bien entendu. Et j'en fais là, et où est son équipe sans figure, qui a dirigé l'armée, on l'a amené que les États-Unis étaient humiliés. Et je pense que passer tout ça, on fait écraser, démobiliser. Pour aujourd'hui, pour les gens, c'est les gens qui suivent. Donc, on peut comprendre qui est-ce qui est en tête l'armée ça. Donc, on contrôle toute structure de répression, on contrôle toute activité criminelle dans le pays, on gagne tout l'argent et surtout, on contrôle la presse. La presse haïtienne, c'est un premier responsable de ce qu'on a là. Parce que la presse n'a pas jamais une presse qui est au service du pays. Les gens qui essaient de faire opinion, qui jouent avec opinion, parler. Dans la radio, dans la télévision, il n'y a pas fait travail.
il va faire aucun bagage, il va pas éduquer le peuple là, il va pas aider le peuple à comprendre la réalité. Bon, bien entendu, on connaît que la presse est pour le vivre, c'est tirer réclame. Et qui est-ce qui va le réclame là? C'est bourgeois, monde corrompu, qui est-ce qui va le réclame? C'est l'État, corruption, qui est-ce qui va le réclame? Ou bien faire le fond, c'est l'ambassade. Donc, c'est le fond qui va mener. Et heureusement, bon Dieu, des médias créent les médias en ligne. Si pas de médias en ligne, où est-ce qu'on est tombé? Donc, c'est ça, son système qui raide, son système qui est puissant, son système qui est organisé, même si on garantit, on a démantelé, on a mis la tête. Pour nous finir cette question, ça, engagement pas changé. Donc, pas jamais joindre Guy Philippe qui bébé ou bien qui était là dans Pistel, qui a géré ses affaires, non, on a toujours campé bataille. Bon, qui ça on bien le gars au film que m'a gagné déjà. Ça dépend qui sont vrai gain, qui ça pour faire content. Moi même que me content et que m'a content en pile, les moi chaque haïtien qui a campé et puis il dit bon, nous même nous pas font pas dans pays, ça pays pas. Si mon enlève le fait de connaître le cas manger, il est à l'école. J'ai un garçon fini pour aller dans l'université, là va prendre salve pour venir dans l'école technique, là va prendre salve pour venir servir pays. Que m'a content, les moi Haïti va un grand goût encore. Les Haïti nous même nous camper devant ambassadeur américain, nous dit faire un bouchou. Là un pays souverain, il faut tout dehors. Sous parler trop dans affaires politiques Haïti. Donc même c'est Guy Philippe soit toujours jeune. Et puis à l'âge moi. Comme il m'était. Bah dans ville non. Vous pensez que m'a négocier l'amour peuple moi. Que ma bakop peuple ça bam là actuellement que la diaspora que là on va négocier pour un privilège pour combien de temps pour 10 ans combien m'était.